donc nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir au jardin tropical en cette chaude après-midi du mois de juin nos deux compères Jean-Pierre Garnet et Marc Perelman qui vont nous expliquer pourquoi et comment il se fait que les Jeux Olympiques de 2024 n'ont pas eu lieu. Voilà, c'est un titre qui peut sembler paradoxal, mais si on connaît, je dirais, l'œuvre ou les bouquins déjà écrits par Marc Perelman, dont deux, l'un Le Stade Barbare et l'autre Une froide vision du monde, qui est sur Le Corbusier, ou plutôt contre Le Corbusier, et son idéologie, on y reviendra, non, plus que suspecte, fascisante, on comprendra pourquoi les Jeux Olympiques peuvent apparaître comme étant, disons, le comble, si on peut dire, de la manifestation soi-disant humaniste, revigorante, qui doit réunir les générations actuelles et futures sous l'égide du fameux dicton « le corps saint dans l'esprit saint » ou plutôt « l'esprit saint dans le corps saint ». Et on s'apercevra rapidement que, en fait, le corps en question est un corps complètement mécanisé et un esprit totalement aliéné. Donc ce livre est revigorant, combatif, facile à lire, je le signale, ça n'est pas de la masturbation intellectuelle. Hein, c'est écrit dans un style assez allègre, disons-le. Marc Perelman aime bien quand même prendre pour cible, de manière joyeuse, les personnages les plus caricaturaux impliqués dans la promotion de cet événement. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut simplement savoir que Marc Perelman est professeur d'esthétique, je crois que c'est à Nanterre, non ? Oui. À l'université de Nanterre. Et que, mais pour lui, esthétique ne veut pas dire fuite dans, comment dirais-je, un univers magique, réservé à une minorité. Esthétique, ça renvoie surtout à des comportements, des systèmes de valeurs qui sont en rupture avec ce qu'on définit habituellement par esthétique, là, surtout aujourd'hui, où la création soi-disant contemporaine nous livre des objets de plus en plus insignifiants, valorisés par une publicité sans frontières. Ça s'appelle des propositions maintenant. Oui. Ah oui, alors il y a tout un jargon, mais on y reviendra. Alors, je vais lui laisser la parole pour expliquer déjà le sens du titre. Oui. Les Jeux Olympiques de Paris n'ont pas eu lieu. Voilà. Bon, d'abord, je voulais vous remercier la librairie Tropique et Jean-Pierre Garnier de m'inviter à cette petite réunion amicale. Je tiens à le dire parce que c'est vrai que depuis que mon ouvrage est paru exactement le 14 janvier dernier, je n'ai jamais eu finalement d'invitation. Hein, voilà, jamais eu d'invitation en librairie. Une petite chronique, un petit compte-rendu dans Le Monde, ouais, qui a été plutôt bien fait d'ailleurs. Et puis une invitation rapide à France Culture après huit ans de boycott de France Culture. Voilà. Donc vraiment autour du livre, très peu de choses finalement, dans la presse, dans les médias comme on dit, et évidemment encore moins à la télévision. Donc voilà, je trouve important effectivement de pouvoir présenter mon livre, tout simplement, présenter publiquement, pouvoir en débattre, ce qui précisément depuis plusieurs mois semble tout à fait difficile. Hein. Ça je crois que c'est important de le dire parce que je m'aperçois que, c'est vrai, cet ouvrage est un peu, comment dire, incongru, iconoclaste. Un peu, à contre-courant, disons. Voilà, à contre-courant finalement de... Finalement, de quoi ? Bah, il est contre-courant du consensus sans faille qu'il y a autour des Jeux Olympiques de Paris et plus généralement d'ailleurs autour des Jeux Olympiques en général. Consensus sans faille qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, on pourra y revenir, où on s'aperçoit finalement que l'ensemble des protagonistes politiques hein, en France et puis et à l'étranger d'ailleurs aussi, eh bien, voilà, ne remettent finalement jamais en cause les Jeux Olympiques. Hein. Les Jeux Olympiques sont vraiment perçus, vus, rarement analysés justement, comme étant une espèce d'événement, de manifestation qui revient tous les 4 ans. On appelle ça une Olympiade. Une Olympiade, c'est,
C'est le temps qu'il y a entre la fin des Jeux Olympiques et les suivants, et le début des suivants. Et donc, voilà, on considère ça finalement comme un phénomène presque naturel, comme une espèce de cycle temporel, spatio-temporel, temporel tous les 4 ans, spatial dans le sens où il se place, il se localise dans des villes. Et donc, on considère que voilà, les Jeux Olympiques, finalement, eh bien, c'est un mouvement naturel de l'humanité qui, tous les 4 ans, organise une fête. Coubertin appelait ça la fête de la jeunesse, la fête, il parlait même de la manifestation musculaire de la jeunesse, pour que tous les 4 ans, en quelque sorte, l'humanité soit capable de révéler ses prouesses, ses performances, grâce à quoi ? Grâce tout simplement aux champions hein, qui sont là pour faire la démonstration de la capacité, de la qualité, du muscle. Hein, du muscle dans les stades, dans les piscines et dans les gymnases. Voilà. Il y a donc, si vous voulez, dans cet aspect des Jeux Olympiques, il y a là comme une espèce de phénomène naturalisé, je dirais presque, hein, naturalisé, qui finalement qui ne surprend pas, qui ne dérange finalement que très peu. J'y reviendrai par la suite, mais il n'y a pas vraiment de mouvement de boycott, au sens de mouvement de boycott populaire hein, des Jeux Olympiques. Il y a eu évidemment des mouvements de boycott politique, au sens des États hein, qui ont appelé à boycotter les Jeux Olympiques à différents moments politiques des situations de la planète. Mais il n'y a jamais eu, disons, de mouvement politique de dénonciation des Jeux Olympiques, de remise en cause des Jeux pour ce qu'ils sont. Voilà, pour ce qu'ils sont. Et donc, mon livre, c'est vrai, d'une certaine façon, se retrouve un peu, j'allais dire, esselé. Et moi-même, je me retrouve un petit peu, disons, seul à essayer de faire comprendre, que derrière cet aspect naturel des Jeux Olympiques, derrière cet aspect cyclique de tous les 4 ans, derrière cet aspect de quelque chose, finalement, qui est banal, mais qui, évidemment, est au profit hein, de... des peuples, hein, est au profit de l'éducation, de la culture, de l'esprit, des arts, etc., etc., et bien, derrière cette mise en avant, disons, de ces thèmes-là, et bien, il y a au contraire, enfin, me semble-t-il, il y a au contraire quelque chose de particulièrement néfaste, de particulièrement inquiétant, que j'essaye de révéler à travers cet ouvrage. Le problème, c'est que c'est vrai quand on est face, disons, aux Jeux Olympiques, hein, quand on commence à analyser ce que sont les Jeux Olympiques, on est obligé vraiment de rentrer, comment dire, dans l'analyse concrète, si je peux dire, de ce qu'ils sont véritablement, hein, de ce qu'est l'institution olympique, de ce qu'on appelle le mouvement olympique, des instances olympiques. Comité international olympique en particulier, finalement comment cette énorme organisation n'apparaît pas comme une organisation, mais apparaît comme quelque chose, encore une fois, de presque évident, banal, naturel, allant de soi, mais dont on ne perçoit que très peu et très mal les ramifications au sens capitaliste du terme, évidemment, en termes financiers du terme, alors que précisément les Jeux Olympiques sont, me semble-t-il, l'organisation la plus gigantesque en termes capitalistes, l'organisation la plus gigantesque, la manifestation la plus mondialisée du sport sur l'ensemble de la planète, et l'organisation qui est la plus vue, plus que le football. Il faut savoir que les Jeux Olympiques sont vus à la télévision, sur le net, on y reviendra, sont vus par à peu près la moitié de la population mondiale. Hein. On considère à peu près à 3 à 4 milliards hein, de téléspectateurs, ce qui en fait une manifestation tout à fait énorme, encore plus importante que les retransmissions de football. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de voir comment une manifestation si puissante, si gigantesque, qui fait appel aux États, qui fait appel à un contrat, entre une ville hôte, puisque les Jeux Olympiques sont un contrat entre une ville hôte,
Paris, Tokyo, etc., entre une ville hôte et le CIO. Comment, disons, cette organisation-là est une organisation qui s'appuie, encore une fois, sur une construction historique, sur une construction financière. Vous avez un nombre de sociétés, les plus grandes au monde, hein, qui participent aux Jeux Olympiques. Hein. Par exemple, pour les Jeux de Tokyo, vous avez 14 sociétés qui sont les plus importantes, parmi les plus importantes au monde, qui font partie de ce qu'on appelle le top, The Olympic Partners, Visa, Toyota, Airbnb, Coca-Cola, évidemment, Bridgestone, bon, etc., etc., qui payent pas loin de 3 milliards pour que leur marque soit vue, hein, pendant les Jeux Olympiques. Donc vous avez là une organisation, le CIO, une centaine de membres, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'anciens sportifs devenus hommes d'affaires, mais beaucoup d'hommes d'affaires surtout, un CIO qui a beaucoup évolué en une centaine d'années. Au tout début du XXe siècle, c'était essentiellement l'aristocratie. Hein, vous aviez beaucoup de particules. Maintenant, c'est plutôt des hommes d'affaires, plutôt d'ailleurs d'anciens sportifs devenus hommes d'affaires, comme Killy et d'autres, par exemple, hein, Guy Dru, des politiques, voilà, qui sont auto-élus. Hein, c'est-à-dire que les membres du CIO sont cooptés. Ils ne sont pas élus, évidemment, démocratiquement. Ils sont élus par leur père. Une partie, depuis quelques années, une partie du CIO est élue par ce qu'on appelle le comité des athlètes. Une petite partie. Hein, mais la majorité sont cooptés, en quelque sorte, par leur père. Voilà. Donc c'est ça, l'organisation. Je rappelle que le CIO, c'est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif. Sise à Lausanne. Bon, c'est une organisation totalement opaque. Autant les organisations, les grandes entreprises capitalistes, on peut arriver à décrypter, analyser, percer, mettre au jour, certaines de leur structure, hein, comment elles s'organisent. Autant le CIO, c'est totalement opaque. Totalement opaque, et beaucoup de gens se sont cassés le nez, hein, à essayer de comprendre comment fonctionne le CIO, quels sont ses réseaux d'influence, quelle est surtout sa structure du point de vue, évidemment financier. Hein. Sur quoi repose finalement le CIO? Alors le CIO, on le sait, bon, il donne quelques chiffres, hein, le CIO repose vraiment sur une manne financière, disons un trésor de guerre absolument énorme. On sait que le budget, enfin on sait à peu près que le budget du CIO, c'est un budget d'État. C'est un budget d'État qu'il dit reverser à 90%. C'est ça, la question, c'est où va l'argent ? Voilà. Qu'il dit reverser au comité national olympique des pays nationaux qui les reverse eux-mêmes aux fédérations d'athlétisme, de football, de gymnastique, etc. etc. Voilà. Ça a été vérifié, ça ? C'est vérifié, oui, c'est vérifié. Alors, après, c'est ce qui est dit. Après, est-ce que véritablement les sommes sont retransmises, sont transférées, comment ? C'est là où, évidemment... c'est là où, évidemment, les questions commencent à se poser. Mais en tous les cas, du point de vue, du trésor, de la manne financière, c'est absolument gigantesque. C'est vraiment de l'ordre de plusieurs milliards d'euros ou de dollars, peu importe, dont il dispose, avec une opacité complète, évidemment, dans les comptes, dans la répartition, dans la distribution, et tout le monde est bénévole, hein, sauf le président, qui a le droit à des rois, sans doute un versement, disons, qui lui permet de voyager comme un chef, comme une indemnité, voilà, oui, qui lui permet de voyager, voilà, pour lui permettre de voyager comme un chef d'État, d'ailleurs, à travers le monde, où il est reçu, d'ailleurs, comme un chef d'État, hein, où il est reçu comme un chef d'État. Il y a eu beaucoup, évidemment, d'histoires, hein, à l'intérieur du CIO. Quand on regarde rétrospectivement l'histoire du CIO, c'est une histoire de lutte, hein, entre différents crabes à l'intérieur d'un panier, hein, de crabes. Et donc beaucoup de linge sale qui a été lavé, si je peux dire, en famille, et beaucoup d'exclusions. Hein,
une date parmi d'autres, l'affaire de Salt Lake City, les Jeux d'hiver aux États-Unis, où voilà, on a su qu'il y a eu des pots de vin, et donc là, une partie du CIO a été exclue par l'autre, etc. etc. Mais ça ne cesse, ça n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas, et vous avez régulièrement, voilà, comme dans une secte, vous avez régulièrement des exclusions de membres du CIO remplacés par d'autres et qui vont reproduire, voilà, qui vont reproduire les mêmes méfaits. Voilà. Donc c'est ça qui, moi, me semble important, et c'est ce à quoi, disons, moi, je me suis intéressé, c'est de voir comment cette affaire-là peut fonctionner, et surtout comment, pas tant comment elle est mise en œuvre par le CIO, ça c'est une chose, hein, qui est analysée du point de vue de l'organisation, c'est une organisation gigantesque, évidemment, 15 jours de compétition olympique et 15 jours maintenant de compétition paralympique. Mais c'est surtout comment elle est reçue, vous voyez, par les États. Comment finalement les États accueillent, acceptent et reçoivent les Jeux Olympiques, encore une fois, comme une chose tout à fait normale et par rapport à laquelle ils souhaitent désirer, solliciter. Le CIO est sollicité, ce n'est pas le CIO qui impose, c'est les villes hôtes, les capitales en général, pas simplement les capitales, il n'y a pas que des capitales, mais c'est les villes hôtes qui sollicitent le CIO pour être désignées par le CIO. Donc. Il y a déjà une compétition entre les villes. Bon. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de voir comment les villes se battent entre elles pour accueillir ces jeux. Une certaine classe dirigeante, parce que l'intérêt général, l'intérêt public, national, local, la quasi-totalité des Jeux Olympiques modernes ont eu des bilans totalement déficitaires. Oui. Et c'est d'ailleurs connu. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est sûr. Et pourtant, il y en a qui ont trouvé leur compte. Tout à fait. Je voulais tout de suite passer à quand même la question numéro un. Pourquoi n'ont-ils pas eu lieu en 2024? C'est le titre de mon livre. Hein. Oui, voilà. Paris, c'est 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. Disons que c'est plutôt un espoir. Hein. Oui. Voilà, c'est plutôt un espoir dans le sens où je perçois depuis quand même quelques années, sinon une crise de l'olympisme, sinon une crise, disons, comment dire, des villes qui sollicitent d'être ville haute. Hein. On perçoit quand même depuis quelques années une tendance à... C'est vrai, il y a une vraie difficulté à accueillir les Jeux Olympiques. Hein, une vraie difficulté parce que la manifestation est tellement gigantesque, elle demande un effort tellement long sur le temps. C'est 4 années, mais c'est plus que 4 années. Hein, c'est 7 années entre le moment où la ville haute est choisie. Hein, par exemple, pour Paris 2024, Paris a été choisi à Lima en 2017. Donc 7 années pendant lesquelles la ville va... s'organiser, et le territoire d'ailleurs plus généralement, hein, national, va s'organiser pour pouvoir accueillir les Jeux Olympiques. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé. C'est d'aller chercher... Pour un événement qui va être extrêmement court. Très court. Et donc avec un amortissement extrêmement difficile. Alors c'est un événement, oui, alors qui est très court, qui est de plus en plus court d'ailleurs. Hein. Les premiers Jeux Olympiques duraient très longtemps. Dans les années 20, ça durait 6 mois. Après, ça s'est ramené à 3 mois. Et on s'aperçoit que temporellement, les Jeux Olympiques, c'est vrai, se concentrent sur un laps de temps de plus en plus court. Mais paradoxalement ou inversement, la mise en œuvre des Jeux Olympiques, à travers des travaux, on en parlera, hein, les grands travaux, disons, par exemple de Paris, hein, mais ça a été vrai aussi pour d'autres villes, hein, Athènes, Londres, Tokyo, etc. La mise en œuvre, elle, s'étale sur un laps de temps très important, de l'ordre de 7 années, qui permet justement aux villes de mettre en œuvre, précisément au prétexte, disons, des Jeux Olympiques, de mettre en œuvre, disons, une politique urbaine nouvelle, qu'ils mettent en œuvre précisément en rapport avec les Jeux Olympiques. Oui, mais ça, c'est l'argument à décharge, pour supposément légitimer ces investissements considérables, cette mobilisation énorme dans le temps et dans la finance, l'argument c'est celui-là. Mais qu'en est-il après coup ? Après que pendant une période de quelques semaines d'effervescence, où l'événement a eu lieu,
Qu'en reste-t-il après et en quoi a-t-on réellement amorti ce colossal, cette colossale mobilisation de temps, d'énergie et de finances? D'après ce que j'ai pu comprendre, mais je suppose que vous l'avez un petit peu étudié, la plupart du temps, le bilan est calamiteux. À chaque fois. À chaque fois, les comptes, disons, et contrairement évidemment à ce que raconte le CIO, contrairement à ce que raconte la ville haute, contrairement à ce que raconte l'État, à chaque fois, les Jeux Olympiques, et surtout dernièrement, à chaque fois, les Jeux Olympiques ont été financièrement, sinon une catastrophe, du moins ont été toujours déficitaires. Et ceux qui pensaient pouvoir d'ailleurs bénéficier de la manne, en quelque sorte, olympique, ont chaque fois été déçus. Je pense en particulier aux Jeux d'Athènes ou aux Jeux de Londres, où en particulier les commerçants, les hôteliers, etc., pensaient pouvoir bénéficier, disons, justement, de la visite du tourisme, hein, ce qu'on appelle le tourisme olympique. En fait, ils ont été totalement déçus. Ils se sont aperçus que, ils se sont aperçus qu'en fait, c'était faux. C'était faux. Dans une ville comme Londres ou Athènes, c'est d'autant plus ridicule qu'ils sont déjà saturés. Et Paris, n'en parlons pas, au niveau touristique. Donc, on ne voit pas bien la logique, y compris économique, ou de marché, de ce genre d'opération. Et je dirais, dans le cas de Paris, dans une situation où les finances publiques sont déjà dans un état complètement délabré, y compris avec le projet faramineux démarré depuis Sarkozy de Grand Paris. Tout à fait. Donc, Paris, on connaît la situation de la ville de Paris, hein, qui est une situation économiquement très, très, très inquiétante, hein, avec une dette de Paris qui s'élève à plusieurs milliards. Bon, ça n'empêche pas Madame Hidalgo de continuer, évidemment, à mettre en avant ces Jeux Olympiques, quoi. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'analyser comment le CIO arrive à imposer ça. C'est ça qui est intéressant, hein. Alors, il arrive à imposer grâce à un matraquage de marketing, commercial, etc., tout à fait important, avec aussi, dans la tête des membres du CIO, qui ne sont pas des idiots, avec l'idée de rénover en permanence les Jeux Olympiques, hein, avec des programmes nouveaux, etc., etc. Et avec cette idée surtout que, et ça intéressera Jean-Pierre, c'est évidemment surtout l'idée que grâce aux Jeux Olympiques, la ville, ou les villes hautes, vont pouvoir se transformer d'un point de vue urbain. Et c'est ce qui est le cas pour Paris. Paris, en quelque sorte, le choix qu'a fait Hidalgo, alors qu'elle était contre au départ, les Jeux Olympiques, le choix d'Hidalgo, c'est de dire tout d'un coup, les Jeux Olympiques, ça va être la métamorphose, la possibilité, en tous les cas, d'une métamorphose de Paris. Un peu tout le temps. Voilà. Une métamorphose que personne n'a demandé. Que personne n'a demandé. Ça va être un accélérateur de la concrétisation du Grand Paris. Exactement. Elle le répétait encore la semaine dernière. Voilà. Exactement. Donc, c'est ça la logique. Hein. C'est ça la logique. Je voudrais t'interrompre sur un point à propos de n'ont pas eu lieu. Il y a tout de même l'exemple actuel de Tokyo, où là, les Jeux, si je peux dire, ne sont pas faits. Alors, les Jeux de Tokyo, oui, on est le 9 juin. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Hein. Moi, je suis ça heure par heure. J'ai mes correspondants japonais qui m'expliquent ce qui se passe exactement, enfin, qui essayent de comprendre ce qui se passe au Japon. La situation est très, très tendue, hein, au Japon, puisque vous le savez, les Jeux doivent démarrer vers le 23, je crois, juillet, donc dans un mois et demi. Et on ne sait pas du tout encore s'ils vont avoir lieu ou pas. Alors d'un côté, vous avez évidemment le CIO et le Premier ministre, hein, même pas le numéro 2 du Parti libéral démocratique japonais, le Premier ministre qui s'appelle Suga, qui, eux, voilà, sont imperturbables, pensent que les Jeux vont avoir lieu, ils font tout pour, le CIO fait absolument tout pour, le CIO a envoyé gratuitement des vaccins Pfizer pour vacciner, ou tenter de vacciner la population. Le Premier ministre fait le maximum pour tenter de vacciner une population qui semble, sinon rétive, attentiste, disons, par rapport au vaccin. Mais c'est vrai que d'un côté, vous avez le CIO et le Premier ministre qui disent que ça va se passer, que nous sommes certains, comme ils disent, que ces jeux sont sûrs et sécuritaires. Et puis d'autre côté, vous avez la population japonaise qui... D'après les sondages, bon, je pense que c'est vrai, à 80% est contre. Contre les Jeux Olympiques, voyant dans les Jeux Olympiques un véritable crime. Particulièrement les médecins japonais sont en train de nous expliquer que si les Jeux Olympiques ont lieu, eh bien, ça va provoquer
directement des milliers de morts. Tout simplement parce que il va y avoir des dizaines de milliers d'athlètes qui vont venir, 200 nations, hein, des dizaines de milliers d'athlètes, enfin une dizaine de milliers d'athlètes avec leurs coachs, leurs médecins, les accompagnateurs, les journalistes, etc., etc. Et que le mirage, disons, d'une bulle sanitaire totalement fermée, opaque, totalement imperméable, est tout à fait impossible. Et les médecins japonais insistent surtout sur le fait que le gouvernement a décidé de ponctionner un nombre de médecins tout à fait important dans les hôpitaux publics, des médecins, des infirmières, du matériel de soins pour directement les mettre au service des athlètes. Et alors là, les Japonais sont pas du tout d'accord. Voilà. Et donc là, il y a vraiment, comment dire, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer de manière tout à fait violente, d'une certaine façon, où on voit le cynisme du CIO prêt à rendre une situation pandémique déjà dangereuse par tout simplement une situation pandémique qui risque, disons, de créer une pandémie et sans doute des milliers de morts. Donc voilà, on en est là ça actuellement. Ça c'est pour le Japon. Paris, le problème a priori sanitaire est un petit peu plus lointain, enfin reporté, donc on peut avoir quelques espoirs ou être optimiste sur ce plan-là. En revanche, un problème qui se pose également au Japon, c'est la question des infrastructures, de leur réalisation d'une part, et aussi de leur coût dans une situation non seulement d'endettement, mais avec tous les retards qui ont été justement occasionnés par les crises, la longue crise qui n'est pas encore terminée, actuelle sanitaire. Alors, les Japonais apparemment ont mis les bouchées doubles, et puis derrière il y a carrément le gouvernement, c'est le Japon tout entier. Pour Paris, c'est Paris qui est supposé alimenter le tiroir caisse et mobiliser les entreprises, non seulement pour les travaux du Grand Paris, comme on sait, simplement un grand projet qui intéresse fondamentalement les promoteurs parisiens, mais absolument pas la population parisienne, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire avaler. Mais là, ça se complique énormément, parce que le Grand Paris lui-même a pris quelques retards, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, les chantiers associés aux Jeux Olympiques de 2024, là aussi, on est un petit peu dans la panade. Oui, les choses sont liées. Les choses sont liées, c'est-à-dire que si les Jeux Olympiques du Japon n'ont pas lieu, ça sera une grave crise pour les Jeux Olympiques de Paris. Parce que les bénéfices, l'argent qui sera récolté évidemment par les Jeux Olympiques de Tokyo doivent servir pour les Jeux Olympiques de Paris. Et donc la question évidemment, et donc les calculettes japonaises j'imagine fonctionnent, c'est de faire le calcul de savoir si déjà le report d'une année des Jeux Olympiques ça a coûté 5 milliards. D'euros ou de dollars, peu importe, au Japon. Mais une annulation des Jeux Olympiques, c'est de l'ordre de 60 milliards. Et certains économistes disent que ça touche, alors de manière légère, mais ça touche quand même le produit intérieur brut du Japon, avec une crise, disons, tout à fait importante dans l'économie japonaise, avec évidemment, une succession de crises jusqu'en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, Tony Estanguet, qui est le responsable, disons, du COJO, n'arrête pas de dire qu'il faut que les Jeux Olympiques du Japon aient lieu, précisément parce qu'il a en tête que s'ils n'ont pas lieu, il y aura un retour de bâton, si je peux dire, sur Paris même. Bon. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer au Japon. Moi, je pense qu'ils n'auront pas. On le saura bientôt. On le saura bientôt. Moi, je pense qu'ils n'auront pas lieu parce que déjà la population japonaise est contre. Et ça, le CIO fait très attention à ça.
le gouvernement japonais aussi, mais surtout le CIO ne peut pas faire des Jeux Olympiques contre la population qu'il accueille. Et ça, je pense qu'ils feront très attention jusqu'au dernier moment pour voir si vraiment le jeu. Manifestations gigantesques. Tout à fait. Si le jeu en vaut la chandelle. Et ça, il faut regarder justement jusqu'au dernier moment, parce que le CIO peut décider au dernier moment. Hein, il peut décider quelques semaines avant la date d'ouverture, il peut décider de les annuler. Je rappelle que c'est le CIO. Ou de les reporter encore d'une année, mais qui poserait d'autres problèmes parce qu'il y a. Pour Paris. Parce que, pas simplement pour Paris, parce qu'il y a d'autres compétitions. Il y a les Jeux Olympiques de Pékin en 22, il y a l'Euro 2021, enfin, il y a toute une série de compétitions qui ne peuvent pas être décalées si facilement. Bon. Voilà. Alors pour en revenir à Paris maintenant, Paris est d'une certaine façon très inquiet de ce qui peut se passer au Japon, et je les comprends. Hein, on voit le teint blafard de Tony Estanguet qui se fait un mouron d'encre par rapport à ce qui se passe là-bas, parce que finalement, pas simplement son poste, mais ces jeux sont un peu en suspens. Alors on ne sait pas ce qui peut se passer non plus hein, sur Paris. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer, c'est pour ça que le titre de mon livre, c'est aussi un titre un peu, évidemment, humoristique, hein. Mais voilà, on n'en sait rien. On n'en sait rien. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà du retard. Hein. Il y a du retard, disons, dans les travaux. Il y a du retard par rapport à des contestations de droits. Hein, par exemple, par rapport au village des médias, hein, où il y a, le village a été retardé hein, du fait d'une décision de justice, hein, où il y a des contestations par rapport à la piscine olympique, hein, où on s'aperçoit que la piscine olympique et le solarium qui va à côté eh bien, empiètent sur des jardins ouvriers aubervilliers. L'idée de tenir les compétitions nautiques dans la Seine, probablement devant l'Assemblée nationale, voilà. Puisqu'on pourra se baigner voilà. En toute tranquillité dans la Seine en 2024, non, c'est ce que nous a annoncé. La piscine, la piscine, c'est sûr. Ce que nous a annoncé, c'est Lia Blouel, en même temps que peu après que Monsieur Seine, Monsieur Edenbaum, très fugace figure de la chose, ait lui-même repris le projet initié par Chirac, puis repris par Anne Hidalgo. Non, les compétitions... Donc elles n'auront pas lieu dans la Seine, finalement. Non, les compétitions de natation ont toujours lieu dans des piscines. Donc du coup, là, elles sont... Mais ce sur quoi Paris, si je peux dire, c'est ce qu'ils appellent l'héritage. C'est le grand terme, hein, c'est cette espèce de leitmotiv sur lequel Paris insiste beaucoup. C'est nous avons 95% des sites qui sont déjà, existants, le Stade de France, des piscines, etc. Nous n'avons à construire finalement que peu de choses. Et donc les Jeux vont pouvoir avoir lieu facilement parce qu'ils ne nous obligent pas à construire des choses nouvelles. Hein, c'est vraiment voilà, le thème principal. Et ils développent ça sous l'idée de l'héritage, hein, ce qu'ils appellent legacy, parce qu'on utilise beaucoup l'anglo-américain dans ces cas-là, ce qu'ils appellent legacy, l'héritage. Et voilà, tout ça va pouvoir ensuite servir à la population comme on le sait et comme on le devine. Bon, et c'est là où, à mon avis, il faut beaucoup discuter parce que est-ce qu'un stade, est-ce qu'une piscine, est-ce que ce qui se crée véritablement va servir à la population ou pas? Et ça, c'est une question. Je t'en prie. Dans un chapitre même qui est très éclairant, tu parles des promesses qui sont faites aux habitants des départements de Seine-Saint-Denis, qui devrait être quasiment le premier bénéficiaire des Jeux Olympiques. Officiellement, c'est le département le plus pauvre d'une part et le plus violent de l'autre de France, et que par un coup de baguette magique... Bien que c'est devenu la Californie française. C'est quasiment ce qu'ils disent avec les Jeux Olympiques. Mais ce que nous a expliqué Alors, Macron. Dans ce bouquin, Marc Perelman montre que les équipements qui seront construits, les installations qui seront réalisées, ne contribueront pas tellement à améliorer la quotidienneté des habitants de Seine-Saint-Denis. Indépendamment de ça, et ce n'est pas un phénomène propre à Paris, c'est ce que vous racontez dans votre démontrez dans votre livre, il faut lire le livre, il y a le problème de la nature de cette espèce de spectacle mondialisé qui doit attirer y compris des spectateurs sur place, et c'est sur les revenus qu'on va tirer de tout ça qu'on compte... Ensuite, tirer profit de tout ça positivement pour l'avenir. Or, en réalité, il s'avère que c'est assez inefficace.
Alors, ce qui est efficace, c'est pas tant le tourisme olympique qui vient, c'est pas tant les 300 000 à 500 000 touristes qui viennent à chaque fois, beaucoup moins que ce que raconte Madame Hidalgo. Madame Hidalgo confond en général la vente des billets, elle parle de 13 millions, c'est les billets. Le nombre de gens qui viennent, c'est 300 000 à 500 000 maximum. D'ailleurs, dans des conditions écologiques qui peuvent laisser à désirer, ils vont venir comment ? Pas en patinette, pas en montgolfière, pas en vélo, ils vont venir en avion, principalement. Donc quand Madame Hidalgo et d'autres parlent de jeux écologiques, bon, ça fait d'emblée rire. Mais c'est pas tant la manne financière de la vente des billets, qui représente 10% à peu près. Ça, c'est pas grand-chose, d'une certaine façon. La vraie manne, c'est la télévision. La vraie manne financière, c'est la télévision. C'est là-dessus, évidemment, que le CIO gagne, si je peux dire, gagne la mise. C'est la vente, tout simplement, de la compétition sportive à des grandes chaînes de télévision, en particulier CNN, qui fait que là, le CIO engrange alors des sommes tout à fait gigantesques. À telle enseigne d'ailleurs que le CIO est à ce point sûr de son affaire, c'est que progressivement, le CIO réfléchit. Moi, je reçois régulièrement les newsletters du CIO qu'il faut lire avec beaucoup d'attention. Au-delà de la langue de bois qu'il emploie, il faut lire vraiment attentivement ce qu'il met en œuvre. Et ils annoncent toujours le programme. Ils ne cachent rien. Ils annoncent toujours le programme. Et ce qu'ils veulent mettre en œuvre, c'est une chaîne olympique. Donc, non pas donner l'argent finalement à un groupe de télévision américain ou anglo-américain, mais avoir sa propre chaîne et pour le coup être véritablement producteur, vous voyez, des images télévisuelles par lesquelles évidemment ils gagneront alors encore davantage d'argent. Donc c'est vraiment cette manne, disons, de la télévision et de l'Internet, évidemment, sur lequel le CIO bille en premier et qui lui rapporte vraiment le plus d'argent. Alors de ce point de vue-là, c'est vrai, les JO, c'est à la fois une structure économique et en même temps une structure spectaculaire, au sens où l'économie ne fonctionne pas en soi. Il fonctionne sur la base de la visualisation des compétitions. C'est parce que les Jeux Olympiques, évidemment, sont visualisés, pas tant visualisés par les spectateurs dans les stades que visualisés à travers le monde. Par le truchement précisément de la télévision et des grands serveurs comme Orange et autres qui diffusent dans nos appareils téléphoniques le spectacle olympique. Donc c'est à la fois, vous voyez, l'aspect, disons, d'une économie incroyablement organisée, très structurée, et en même temps, évidemment, sur la base de la compétition, c'est-à-dire de l'ensemble des épreuves, réunies d'ailleurs, concentrées, condensées, encore une fois, en un laps de temps court. Aujourd'hui, il faut que les Jeux soient vraiment dans un laps de temps de 15 jours, parce que au-delà, il y aurait des effets de distraction, si je peux dire, de lassitude, alors que là, on a une concentration qui opère, si, d'une certaine façon, sur la concentration visuelle au mieux. Quelle que soit d'ailleurs la latitude et la longitude, puisque les Jeux olympiques devrait avoir lieu au Japon, auront lieu la nuit pour nous. Mais bon, voilà. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette articulation entre une organisation économique gigantesque et puis l'aspect, disons, de cette communication visuelle, de la retransmission télévisuelle de choses et de manifestations, d'événements qui peuvent durer une fraction de minute, quelques secondes. Le 100 mètres, c'est 9 secondes 56, le record du monde, c'est 9 secondes 56 qui va être regardé par 4 milliards d'individus. C'est le temps de cerveau disponible, comme disait. Voilà. Il y a là quelque chose de tout à fait étonnant. Du point de vue, disons, de l'intelligence capitaliste, la capacité de concentrer le regard de 4 milliards d'individus sur quelques secondes, je trouve ça inouï. À tel point que vers la fin de ton livre, tu imagines ce que seraient les Jeux Olympiques dans l'avenir, plus ou moins lointain, ça serait des Jeux Olympiques 2.0, si on peut dire, qui se réduiraient en fait à un spectacle télévisé et enregistré où il n'y aurait plus de spectateurs physiquement parlant,
que finalement il n'existerait plus qu'au travers de la réception qu'on aurait les millions, les milliards de téléspectateurs à travers la télévision, les sites internet et compagnie. Le jeu virtuel. Il n'y aurait plus de jeu. On pousse plus loin, on va être dans la logique du jeu vidéo à ce moment-là. Ben oui, on c'est les, ça. On fait les fabriquer mais en images de synthèse. C'est ce qu'il laisse entendre à la fin de son ouvrage. Alors, c'est pas, alors, je le laisse entendre, tu as tout à fait raison, mais je le laisse entendre sur la base de ce que nous dit le CIO. Le CIO, ce qui se passe, qu'il n'y ait pas de spectateurs japonais, qu'il n'y ait pas de spectateurs, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est que ça soit télévisé. C'est que, voilà, à un moment T, il y a 4 milliards... Les droits télévisés. Voilà, qu'il y ait 4 milliards d'individus qui, à un moment T, soient sur leur poste de télévision et qu'on puisse faire défiler de la pub, qu'on puisse faire défiler, etc., etc. C'est ça qui les intéresse. Et donc, ça, ils sont ça, en train... Ça intéresse ceux qui leur payent les droits. Bien sûr. Mais évidemment, comme tu viens de l'expliquer, si eux-mêmes se chargent de négocier avec les annonceurs en créant leur propre chaîne de télé, voilà. À ce moment-là, ils font le double bind. Double bind, exactement. Les anglo-saxons, et donc, ils maximisent le profit. Et donc, le CIO est en train de réfléchir en ce moment, et ils le disent ouvertement, hein. Thomas Bach se répand d'ailleurs de façon, il dit c'est vrai, les JO, c'est un peu la... Un peu ce qui se dit comme ça. Hein. Les JO, c'est vraiment lourd. On voit, ça dure longtemps, la préparation. Les villes hôtes, c'est compliqué. Il y a des manifestations, les gens protestent. On voit ça avec le Covid. Regardez tout ce qui se pose comme problème. Il y a une possibilité, dit Thomas Bach, hein, de résoudre finalement un peu tout ça. C'est pourquoi pas, et il le dit ouvertement, hein, c'est de transformer le sport physique, matériel, avec un lieu, le stade, en un e-sport. Avec des e-athlètes, des e-joueurs. Avec, il n'y aura plus besoin de spectateurs, mais il y aura besoin, par contre, de téléspectateurs. Ça, eux, on est sûr. De voilà. Physique sur des stades, mais il n'y aura plus de stades. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y aura donc, encore besoin d'athlètes non. La logique, c'est non. Non. Ils pensent aujourd'hui que le virtuel, hein, et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut s'intéresser beaucoup au développement, évidemment, du numérique, du virtuel, etc. Parce que je pense que la planche de salut d'une crise, d'une certaine façon, de l'olympisme, je pense qu'elle va s'orienter sur ce terrain-là. En tous les cas, sur cette dématérialisation, si je peux dire, de l'olympisme, avec la possibilité de jeux virtuels et donc sans lieu. Hein, le stade pourrait d'une certaine façon disparaître pour simplement des lieux ad hoc, des salles bon, organisées pour des jeux virtuels où il n'y aurait plus véritablement d'athlètes physiques, mais où on aurait alors là des e-athlètes avec des e-joueurs, etc. Déjà, etc. Hein, c'est l'univers du jeu vidéo. C'est l'univers du jeu vidéo. Et d'ailleurs, tout à fait. Et d'ailleurs, le CIO envisage, parce que le CIO ne sont pas des idiots, le CIO envisage tout à fait tout type d'ailleurs d'activité physique. Ils reprennent tout ce qui bouge est bon pour eux. Ils ont repris la breakdance, ils ont repris l'escalade. Il y a des sports qui les intéressent plus, ils les éliminent, le karaté, des choses comme ça. Il y a des sports qui les intéressent pas, le golf et autres. Pourtant des sports qui rapportent énormément, mais ça les intéresse pas. Par contre, les sports virtuels, la vidéo, alors là, ils ont commencé à comprendre. Pourquoi ils ont compris? Parce qu'ils s'aperçoivent qu'une fraction très importante des jeunes, hein, c'est des millions et des millions de jeunes qui sont accros à la vidéo. Et quand tu regardes, disons, les spectacles virtuels actuellement de Games of Legends, tous ces jeux qui se jouent, bon, dont on connaît pas, nous, les anciens, véritablement comment dire, l'efficacité et l'organisation, ça représente des millions et des millions de jeunes qui s'adonnent, hein, de manière alors sans addictive. Ceux qui triment dans un statut d'esclave pour fabriquer les décors, les outils, les applis, les logiciels derrière et qui font les trop vite pour ça. Mais ça, ce serait, bon, ça nous amènerait un peu loin de notre sujet, mais ouais. Bon, on peut dire que c'est peut-être la conclusion. Pour le reste, il faut lire le livre où il y a beaucoup d'autres choses qui sont évoquées, qu'on s'orienterait à ce moment-là, vu le gigantisme qui pourrait, un petit peu comme les dinosaures, marquer la fin de l'ère de ces Jeux Olympiques réels, aller vers les Jeux Olympiques vidéo, au sens plein et complet du jeu vidéo. Et ce serait peut-être la solution idéale, évidemment, pour les actionnaires, pour le capital, pour l'accumulation capitaliste et pour le profit de cette fantastique imposture olympique. Là-dessus, je vous laisse à tous les deux votre conclusion personnelle. Ben, y a un point sur lequel
On n'a pas le temps de s'étendre. C'est tout de même à la fin de ton ouvrage, lorsque tu dissèques l'idéologie elle-même des Jeux Olympiques à travers tous les discours de Pierre de Coubertin et tous les gens qui ont vanté, somme toute, les bienfaits, je dirais, philosophiques, politiques, d'une civilisation nouvelle qui reposait sur le sport. D'ailleurs, bien utilisé, comme le film de Leni Riefenstahl, oui, alors, le montre bien par... On a beaucoup parlé des Jeux Olympiques de Munich, là, oui. Nationaux socialistes. De Berlin, excusez-moi. mais à la fin, c'est tout de même intéressant la manière dont tu dissèques l'idéologie sportive au travers de l'olympisme, pour montrer comment, en matière d'aliénation, de subjugation des esprits... Ah ben c'est totalement homogène. Il n'y a pas de trahison de la part... Je le signale simplement parce que c'est un point important et que tu ne négliges pas puisque tu y consacres des thèses. Quasiment en guise de conclusion la fin de ton ouvrage. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, donc ma critique, évidemment, des Jeux Olympiques ne porte pas à la façon d'une certaine gauche qui critique, disons, qui critique l'aspect, trop important des Jeux Olympiques actuels. Une certaine gauche imaginerait que, par exemple, la France Insoumise, Madame Simonet, elle n'est pas contre les Jeux Olympiques en soi. Elle est contre les Jeux Olympiques à Paris et elle est contre les Jeux Olympiques tels qu'ils sont organisés. Mais elle dit tout à fait explicitement qu'elle imagine très bien des Jeux Olympiques d'échelle humaine. À échelle humaine, dans des plus petits stades, avec moins de monde, des jeux alternatifs, des jeux populaires, etc., bon, qui, en gros, nous rappellent ce que faisait le monde, disons, soviétique, dans les années, encore dans les années 30 et 50, qu'on appelait à l'époque les Spartakiades, où là... on montrait ou on cherchait à démontrer la qualité du muscle, en quelque sorte, soviétique, rouge, tout simplement par les prouesses des sportifs rouges. Bon, voilà. Évidemment, ma critique, elle porte sur le fond, c'est-à-dire sur l'olympisme lui-même, sur le sport, évidemment, qui est le lieu de l'aliénation la plus terrible des individus, où on fabrique effectivement des corps qui sont des corps aliénés à la prouesse, à la performance, au temps qu'on essaie de réduire au maximum. Et évidemment, c'est contre ça, contre lequel moi je me bats et que j'essaye de montrer que le sport n'est pas une manifestation du corps ludique, de la spontanéité, de la gratuité, mais au contraire, est une organisation tout à fait matérielle et qui s'incarne précisément dans le corps d'un système qui prend corps précisément à travers les champions, les athlètes qui sont censés représenter le corps performant, le corps athlétique, supposé être véritablement le plus beau corps que l'humanité aurait produit. Bon, c'est ça, moi, que je critique, disons, sur le fond et qui me paraît important, évidemment, d'analyser ce que, aujourd'hui, ni la droite, évidemment, et ni la gauche, et j'allais dire encore moins la gauche, ne fait et ne se préoccupe absolument pas. Profitons de la présence ici, au Jardin Tropical, d'un invité surprise, Marc Lémé, pour aborder un peu plus en détail cette question des infrastructures et de l'héritage parisien, au premier chef, la Seine elle-même, notre chère Seine, et le rapport entre tout ça, l'espèce de rhétorique de propagande diffusée par la mairie de Paris déjà depuis fort longtemps d'ailleurs, mais aussi plus largement les travaux autour du Grand Paris. Il y a des connexions, semble-t-il, avec cette problématique de Jeux Olympiques telle que nous l'avons abordée et qui justifie le futur antérieur du titre de Marc Perelman, c'est-à-dire les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. Alors, que peux-tu nous en dire? Ce que je trouve impressionnant, c'est quand Madame Hidalgo, à la radio, en
printemps 2014 s'est jeté à l'eau, si j'ose dire, en annonçant la surprise générale que Paris allait se porter candidat aux Jeux Olympiques et qu'on se baignerait dans la Seine, elle se fichait éperdument de savoir si l'intendant suivra ou non. Et des années plus tard, il y a eu un énorme barouf publicitaire à laquelle se sont livrés tous les élus parisiens, l'élu en charge du 14e, Madame Bloel, dont on se demande bien qu'est-ce qu'elle fabrique aujourd'hui. Et en fait, en charge de la question, pas à l'hôtel de ville. Oui, enfin, plus tout à fait exactement, pardon. Mais là, en fait, on a vu se déployer une infrastructure sous le contrôle du préfet de région, la ville de Paris, les départements, enfin tous les organismes impliqués dans la gestion de l'eau, qui ont construit un véritable village Potemkin en assurant contre toute évidence qu'on se baignerait effectivement au Trocadéro. Or, c'est littéralement impossible. Il y a ce qu'on appelle dans la novlangue habituelle un copil qui s'est mis en place, présidé par le préfet de région, et il y a un certain nombre de thèmes qui ont été mis en avant, des objectifs qu'il faudrait remplir. Ça coûterait, de manière hypothétique, près d'un milliard d'euros. Et alors, il y a un exemple absolument patent. 80% de la pollution qui peut être identifiée dans la Seine à l'endroit où devraient se tenir les baignades au Trocadéro, sachant que pour pouvoir se baigner, il faut répondre à des critères déterminés par une directive européenne qui s'appelle la directive baignade, qui enjoint dans les 4 années précédentes, nous y sommes, de se livrer à des analyses extrêmement précises. Et sans l'absence de pathogènes remarquables, des Escherichia coli, etc., on n'aura pas le droit de se baigner dans la Seine. Donc la mairie a déjà préparé tout un mensonge pour essayer de se soustraire à ses obligations. Mais ça, on l'a déjà évoqué, il y aura bien une piscine. Finalement, les épreuves olympiques n'auront pas lieu dans la Seine devant l'Assemblée nationale. Quid de l'impact de cette logique, à la fois de rhétorique de propagande de la mairie, quant à ses équipements fastueux, le Grand Paris et ce qui concerne typiquement la tenue des Jeux Olympiques en 2024. Tout à fait. Alors là, ce qui est impressionnant, il y a une logique absolument infernale depuis le discours historique de Nicolas Sarkozy en 2007, le lancement de la problématique du Grand Paris de l'eau. Il y a une énorme machine institutionnelle qui s'est déployée. Et au fil du temps, ce sont toujours les mêmes acteurs, des politiciens, les grands du BTP, des bureaux d'études spécialisés, toutes les strates de la gouvernance francilienne, ville de Paris, les départements de la Petite Couronne, la Société du Grand Paris pour le métro, etc., etc. Ce sont toujours les mêmes acteurs qui tracent une stratégie dont la finalité, c'est une seule chose. Et dans quelle mesure les Jeux Olympiques de 2024 sont-ils impliqués là-dedans? Alors, c'est la même logique. Comme il faut construire des grandes infrastructures, on inscrit une nouvelle programmation qui fait suite à la programmation du Grand Paris, de la Société du Grand Paris, dont je rappelle quand même pour mémoire qu'au départ, on avait estimé que ça coûterait 17 milliards d'euros. On en est déjà à 37 d'après la Cour des comptes. On a doublé littéralement en quelques années la spéculation immobilière autour des gares du Grand Paris. Extraordinaire! Il y a des mecs qui font des fortunes. J'ai un certain nombre de contacts dans tous ces milieux-là à titre professionnel. Les mecs avouent, comme le diraient des gens de Veolia, c'est le même profil. Ils avouent qu'ils se sont jamais autant gavés qu'avec la Société du Grand Paris, les gares, le Grand Paris. Et là, avec maintenant spécifiquement le tour de passe-passe qui a été fait, c'est de promettre la Lune aux habitants, aux Dionysiens, aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Alors, fort heureusement, la grande promesse... La Nouvelle-Californie française. Ça, c'est venu plus récemment. Mais là, le processus qui était initié par une belle brochette d'anciens cadors de la banlieue rouge, nos camarades du PC, on pense à Braouzec, par exemple. Donc, il y a Braouzec... Le camarade Renégat, quand même. Je n'irai pas jusque-là, mais enfin bon... qui quand même s'est transformé de professeur, ce qu'il a été avant, parce que je connais des gens qui l'ont connu, et moi aussi, et s'est transformé en fait en marketeur territorial. On a toute une génération d'élus du PC de la Petite Couronne qui se sont trouvés, sans même s'en rendre compte, en fait, qui ont totalement changé de métier. Comment et à qui on valorise les anciennes friches industrielles de la banlieue rouge? On les vend à tous les caïds du 440 qu'on invite gentiment à venir installer leurs sièges sociaux, qui à Aubervilliers, qui à Saint-Ouen, etc., etc. Et ce faisant,
dans des processus de réhabilitation. Là, c'est absolument extraordinaire. Quand on lit les dossiers, parce que tout ça, il faut des appels d'offres, etc. Bon, et on a tout un verbiage absolument neuneux. À chaque fois, on promet qu'on va avoir de la mixité sociale. On fera une rencontre spécifique sur Paris. Mais pour en revenir aux Jeux Olympiques, tout ce dispositif qu'on dit maintenant est d'application immédiate et parfaitement homogène au projet olympique, ou est-ce qu'il y a des hiatus? Alors, il y a des hiatus parce qu'il y a des histoires de programmation, il y a des histoires de préséance. Et en fait, dès le départ, ils étaient déjà terriblement en retard. La pandémie n'a rien arrangé. Un certain nombre de programmations, de travaux ont été littéralement figées pendant un an. Il y a un deuxième point qu'on ne se rend pas compte dans l'immédiat. Tout ça exige d'excaver des territoires énormes. On génère des tonnes, des milliers de tonnes de déchets. On ne sait pas où les foutre. Alors, il y a des promesses. Ça va être génial. On va faire tout ça dans la règle du verre et tout. Pas du tout. On va encore aller déverser des milliers de tonnes de déchets en Lousdé, en Seine-et-Marne et ailleurs. Et à ce stade, en termes de programmation, ça devient très touchy. Et à mesure que le temps passe, les tensions s'accroissent. Il y a eu un copil il y a moins d'un mois où Madame Hidalgo s'est pris la tête avec les représentants du 9-3 et du 9-4, parce que les grandes promesses qui leur ont été faites, comme en sortie de pandémie, les promesses budgétaires sont peut-être pas tout à fait là. Marc le sait mieux que moi, mais les grands espoirs de sponsoring sont pas là non plus. Et à l'arrivée, il y a une addition, il va falloir payer. Et le grand risque, c'est qu'en fait, on ait un truc à minima, bricolé dans des délais à peu près intenables. Et en fait, la grande promesse sera pas là, parce que ce qui est un mensonge absolument sidérant, c'est d'avoir prétendu la Nouvelle-Californie, la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, allait laisser un héritage absolument fastueux. C'est pas vrai. Toutes les programmations immobilières censées être utilisées pour très peu de temps, finalement, de façon transitoire, c'est pas du tout pour reloger les pauvres malheureux dionysiens. Là, on parle des investissements liés aux Jeux Olympiques. Des investissements directement liés aux Jeux Olympiques. Et donc, quand on regarde les dossiers de tous les promoteurs qui font ça, il y a un camouflage invraisemblable. On nous promet à chaque fois des terrasses avec de l'herbe, végétalisées, fondamentales. Compostage et végétalisation. De l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle, etc. Oui, mais tout. Sauver la planète, quand même. Ah, mais absolument. En droite ligne, d'ailleurs. Exemple. Sur le site même où a été signée la fameuse COP21. Monsieur Troussel et monsieur le nouveau zigoto, comment s'appelle-t-il, le bébé Bartolone là, qui a pris Saint-Denis. Anodin. Alors lui, il faut le repérer. Ah non, mais il est redoutable. Redoutable. Oui. À peine arrivé, il a mis à la poubelle toutes les promesses antérieures. Et sur les lieux mêmes où avait été signée la fameuse COP21, là, on se souvient là tous les belles images, ils viennent de se livrer une opération immobilière à l'air des vents, à Dugny, à filer à un promoteur privé des hectares à haut prix, comme l'arnaque habituelle des agriculteurs. Quoi. On a le prix agricole, tac-tac, on le viabilise, on l'achète pour 2 balles et on le revend 50. Mais c'est un scandale absolu. Avec un peu de chance, on colle quelques éoliennes là-dessus pour maximiser le profit. Il n'y aura même pas besoin. Non, là, c'est bon. Alors, à la lumière de tout ça, est-ce qu'il y a réellement, on peut réellement se demander si le titre du livre de Marc Perelman est simplement du wishful thinking, comme on dit en français maintenant, ou est-ce que c'est une hypothèse qui pourrait se préciser? On ne part peut-être pas exactement du même point de départ, mais je crois qu'à l'arrivée, on converge totalement. Et moi, c'est en observant le suivi, parce qu'il y a aussi des tas de citoyens qui se mobilisent, et il y a des choses assez impressionnantes. La justice administrative n'arrête pas de flinguer tous les projets à Pleyel, partout, etc. Donc, à chaque fois, ça prend du retard. Il faut relancer les procédures, et ça les emmerde au-delà de tout. Donc, on a la planification initiale qui en a déjà pris pas mal dans le nez, et il n'est pas du tout évident qu'on arrive à délivrer, comme ils disent, toutes les infrastructures. Alors, ce qui serait géant, un des derniers recours qui a été gagné avec succès par les opposants,
remet en suspens le fameux village des médias. Alors là, je m'attends à une apocalypse. Ah bon, d'accord. Parce que là, on devait accueillir 20 000 journalistes du monde entier, évidemment, événement interplanétaire. Et si le fameux village, il se fait pas? Alors là, le COJO a répondu aussi sec. Ah ouais, mais on va les mettre dans des hôtels un peu partout. Alors donc, il va falloir aller virer les demandeurs d'asile et les pauvres clodos qu'on loge quand même de briques et de brocs dans les hôtels. Il va falloir tous se dégager pour accueillir des journalistes du monde entier. Mais alors, à mon avis, ils ne seront pas ravis d'ailleurs alors, la perspective. Ils ne seront pas ravis du tout. Et en plus, les questions que ça posera en termes d'acheminement, s'il y a 20 000 journalistes logés dans des Formule 1, je ne sais pas où et tout, enfin, mais ça va être un bordel absolument innommable. Et on n'aura pas à temps suffisamment une flotte d'admirables petits véhicules électriques pour les années proprement sur les lieux. Donc, en l'état, je crois et j'espère au-delà de tout que ça va se transformer en un bordel innommable. Et alors, il y a quelque chose que je surveille avec beaucoup d'attention, parce que le truc, c'est une histoire de poupées russes. Ils se tiennent tous par la barbichette. Là, je vois simplement pour l'histoire de la scène. Je les connais tous par cœur, je suis leur truc et tout. Ils savent tous que ça ne marchera pas. Mais ils se tiennent tous. Et alors, le truc, c'est qui c'est qui va lâcher le premier, avec toutes les conséquences induites. Parce que celui qui dira « le roi est nu, on arrête, arrêtez vos conneries et tout », c'est lui qui va porter le chapeau, ils vont tous lui faire la peau après. Donc ça, c'est admirable à observer. Mais on sent, moi, je sens comme des petits craquements, des petits indices que ça ne va peut-être pas le faire, quoi. Et alors, ce qui manque en l'état, et je pense que Marc partagera ça, c'est une mobilisation à la hauteur des enjeux, quoi. Tous les soi-disant, comment dire, partis, mouvements, etc., qui se réclament de gauche, mais devraient de façon unanime vomir sur ce truc, descendre dans la rue tous les jours. C'est absolument impensable dans la situation de la France, de la région parisienne, de la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, dans un état absolument calamiteux, de nous embarquer dans des conneries pareilles, dont tout le monde se contrefout, qui ne nous amèneront rien, sinon des masses d'emmerdement, on n'en peut finir. Alors, à la lumière de ces précisions de spécialistes, une seconde conclusion de notre auteur. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, je partage globalement l'analyse, disons, concrète d'une situation concrète, comme disait l'autre. Bon, après, les choses, c'est vrai, sont toujours plus compliquées qu'on ne l'imagine soi-même. Hein. Pour ça, je suis toujours prudent. Hein. On peut affirmer, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. Bon, voilà, il faut affirmer les choses, il faut se battre pour. Après, nous sommes peu de choses, nous, ceux qui sont contre. Voilà, on est peu de choses. En face, c'est des gens redoutables. Et ce que tu disais tout à fait juste, il n'y a personne qui s'y oppose. Et ceux qui seraient supposés s'y opposer sont précisément ceux qui appuient le plus. Moi, j'ai aussi beaucoup analysé ce qui se passait en Seine-Saint-Denis. Donc je lis depuis des années la propagande, disons, les lettres, le courrier, les bulletins municipaux en Seine-Saint-Denis. Mais voilà, c'est le Parti communiste, ce sont les insoumis, c'est Braouezec, qui depuis les années 90, hein, et même avant, depuis 90, pensent par le truchement du sport, et ça a été le Stade de France d'abord. Hein. Le Stade de France, le maire de Saint-Denis, Marcelin Berthelot, avait voté contre. Il avait voté contre Marcelin Berthelot, contre le Stade de France. Et c'est sous la férule, si je peux dire, de Braouezec et d'autres, qu'effectivement, là, il y a eu une espèce d'engagement autour, disons, de l'idée magique que le sport allait résoudre le problème de la Seine-Saint-Denis et que plus il y aurait de terrain, plus il y aurait d'équipements, plus il y aurait de jeunes black, blanc, beurre, adeptes du sport, et voilà, tout finirait par bien se résoudre. Donc là, je pense qu'il y a une espèce de tromperie, entre guillemets, mais évidemment, là, il y a quelque chose de tout à fait suffocant, hein, et d'inquiétant de voir un territoire, pour le coup, la Seine-Saint-Denis, un territoire entier se transformer en une espèce de parc olympique. Hein, de parc olympique où tous les terrains, je termine là-dessus, hein, que ça soit. Je vais inviter les gens à lire le livre, voilà. Mais aussi parce que notre batterie est en train de donner. Elle flanche. Donc, oui. où tous les éléments, disons, sportifs, évidemment, ne sont pas dédiés à la population. Le Stade de France, c'est 20 événements par an. Jamais la population de Seine-Saint-Denis va. Et de même pour les piscines, ça sera une piscine olympique.
olympique. Quand on connaît le coût de l'entretien d'une piscine olympique, jamais la population n'aura accès à cette piscine. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ça dans la Seine. Donc, il me reste à vous remercier une seconde fois. Ben non, merci. Et donc, encore une fois, lisez le livre, je vais le mettre à l'image, et les gens vont découvrir une toute autre version de ce qui les attend ou ne les attend pas dans maintenant relativement peu de temps. Oui. Merci ça, à tous les deux. Mal, et ça merci à Jean-Pierre, mal. Évidemment. Je crois qu'ils n'arriveront pas à tenir. On va, voilà. Malheureusement, on risque de l'avoir, mais en mode dégradé. Bon, dégradé, je ne sais pas. Merci, je sais pas. Les gars. Tout va dépendre des Jeux de Tokyo, moi, je pense.